Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Encore bonne fête à mes frères et sœurs centrafricains. J'espère que Bihala Dodo Johnny à la Cigale à Nyonsamba Fetna passé Johnny. C'était la petite parenthèse. C'était juste pour faire honneur à mon pays. J'ai pas voulu faire d'autres Congossa hier à part. Ça m'a fait plaisir de parler en Sango, Mitetena Sango, Birassa, mi plaisir. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Congossa du jour, chaque jour qu'on dort et qu'on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Vous êtes au courant que Astrid Nelsia et Léris Loketo, c'est déjà fini? Moi, je suis pas d'accord. Dire que je suis. Non, déjà, lui, Léris, il est venu, il a fait l'éloge d'Astrid. Jusqu'à moi-même, j'ai dit, bon, arrêtez d'attaquer la fille à cause de son passé. Tout le monde a droit au bonheur. Même pas un mois après leur fiançailles, c'est déjà fini. Donc en fait, tous les deux, ils étaient en vacances en Égypte. Les vacances ont à peine commencé qu'il nous a fait un tweet, non, un snap en disant « Ne me parlez plus jamais de cette personne. Le retour d'un mec bien. » Je vous laisse regarder. Du coup, hier, j'ai fait une capture d'écran de ces snaps. Mais jusque-là, Astrid Nelsia ne s'est pas encore prononcée sur leur séparation. On attend la suite. Mais en fait, tout ça, pourquoi? Bon, j'espère c'est juste un coup de buzz. Mais Léris, tu as rabaissé tout le monde. Parce que, enfin, je veux dire, pour toi, tu avais tout, trouvé la femme parfaite, ainsi que elle. Une histoire d'un mois. Bah, maintenant, on va dire quoi? J'espère c'est juste pour du buzz. Parce que ça peut pas finir aussi vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Tu nous as fait son éloge en mode peu importe son passé, je l'assume. Si, même si elle sait pas faire à manger, c'est pas grave, j'assume. Je suis prêt pour elle. Et puis maintenant, tu dis bien sûr qu'on va te parler d'elle. On va bien te parler d'elle, tu vas la reprendre. Ça veut dire quoi ça? Oh, tu crois que les fiançailles, c'est de la rigolade? Moi, je suis déçue. Je suis déçue. En tout cas, les deux, c'est fini. J'espère que c'est juste un coup de buzz. On attend. Bon, on attend d'ici peut-être 2, 3 jours, ils vont se remettre ensemble ou on saura la vérité. Mais voilà, les histoires d'amour à 2 jours là, il y en a marre. Vendre du rêve, dire qu'il y a beaucoup de jeunes personnes qui les suivent, il y a beaucoup de jeunes qui les prennent pour exemple, c'est honteux. Alors, je suis très déçue. Les deux, c'est fini. C'est fini. Voilà. Le nouveau dossier.